Ouais, salut tout le monde, voilà, c'est Dijon, me revoilà pour les débriefs du DFCO. Alors aujourd'hui, on va parler des deux matchs qui se sont passés, le match à Créteil et la réception de Valenciennes hier. Alors, le match de Créteil, je vais pas avoir grand-chose à dire, on va dire, sur ce match. Qu'est-ce que vous avez fait, les gars? Mon Dieu, que c'était triste. C'était triste. J'avais envie de pleurer devant ce match. C'était monstrueux. D'ailleurs, on va même tirer la sonnette d'alarme devant ce match de merde. Parce que oui, il faut le dire. C'était un match de merde. On s'est fait chier à le regarder. On s'est fait chier. Alors franchement, j'en ai vu des matchs. Mais alors celui-là, il était collector. J'ai passé quasiment tout le match au chiottes. Hein? Vous devinez ce que j'étais en train de faire? Jusqu'à ce que j'entende un coup de sifflet et ce pénalty. Ce pénalty avec cette main de Dieu, on va dire, qui m'a fait bondir des chiottes. J'arrive devant ma télé, pénalty Bella, hop, 1-0, on prend les 3 points, c'est réglé, il n'y a rien à dire. Voilà, emballé, c'est pesé, comme on dit chez nous. Hein. Bon, le plus important, on va juste retenir qu'on avait pris les 3 points. Ça, c'est fait. Ensuite, le match de Valenciennes hier. Alors, match de Valenciennes, un match agréable. Agréable à la regarder. Bon, j'étais pas au stade, je vous l'avoue, parce que hier, quand il y a un peu un temps de merde ici, je suis resté à la maison, j'ai regardé le match. D'ailleurs, à ce propos, il n'y avait pas beaucoup de monde dans le stade. Hein, moins de 7000 spectateurs, c'est pas terrible, les gars. Il va falloir y aller un petit peu. Hein. Donc, le match, pas beaucoup d'occasions. 3-4 à se mettre sous la dent. Sinon, le match en soi était agréable. Bon, on a eu ce fameux but de Varro qui intervient donc sur un centre de Samaritano. Petit centre sur Julien qui remet sur Marié, qui remet sur Varro et bim! El Capitano! Cédric Varro! Pour ses 36 ans, Cédric Varro est présent. Il nous met ce but qui nous fait gagner les 3 points. Hein, il n'en a pas mis beaucoup des buts avec Dijon, Cédric Varro, mais celui-ci est important. Il nous fait gagner le match 1-0, parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent pour ce match. Donc, une belle victoire, précieuse victoire, ce qui fait qu'on est toujours devant. Voilà, on a pris même la première place sur Nancy. Si je ne dis pas de bêtises, on doit avoir 48 points. Nancy, on devrait en avoir 47, Metz 42, le quatrième, ça laisse, je crois que c'est le Red Star, il me semble, si je dis pas de bêtises, on doit avoir 9 points d'avance. Alors franchement, là, j'ai envie de vous dire, l'année dernière, les gars, j'ai vu des matchs au stade où je me faisais chier, où on méritait de gagner, on faisait des matchs nuls, on prenait des buts merguez à la fin. Là, cette année, les matchs, on arrive à les gagner. Peut-être il y a 15-0, déjà on ne prend pas de buts, c'est important. Et pourquoi on ne prend pas de buts? Parce que dans les cages, on a un chat, on a un gardien qui est monstrueux. Baptiste René, qu'est-ce que tu nous as encore fait, Baptiste, hier? Oh, Baptiste, qu'est-ce que tu nous as fait hier? À la 90e, à la 92e, deux parades, Baptiste. Il a été monstrueux. La première parade, il sort à la Tortue Ninja, je sais pas ce qu'il nous fait, il y a un bout de doigt qui touche le ballon, ça vient mourir au coin du poteau. Bim, une autre occasion, il centre, et là, et Baptiste, il s'en va, il t'a la claque, et voilà, le match, il est plié, le match, il est gagné, on a pris ces fameux 3 points, on peut dire merci à Baptiste, merci à l'équipe, franchement les gars, sur le terrain, voilà, vous donnez, et c'est ça qui fait plaisir, comme on dit, vous mouillez le maillot, et c'est ça qui est important. Parce que Dijon ira en Ligue 1. Qu'on veuille ou qu'on veuille pas, Dijon ira en Ligue 1. On sera présent. Ça, c'est important. Parce que Dijon a peut-être un petit budget, mais même sans maille, il faut le dire, on va foutre le why. On va être présent, on va s'imposer et on sera là. Que les gens le veuillent ou pas, voilà. Pour leur montrer que même sans maille, eh ben voilà, on va foutre le why, on sera là, on va s'imposer en Ligue 1. C'est comme ça que ça va se passer. Voilà, sinon, qu'est-ce que je peux dire de plus? On peut souligner l'arrivée de Jordan Lothiès en prêt, il me semble, jusqu'à la fin de la saison, qui va un petit peu renforcer la défense. Voilà, sinon, moi je vais vous donner rendez-vous au prochain match. Voilà, prochain match, ça va être contre le Havre. Contre le Havre,
lundi, il me semble, à 20h, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que les petites vidéos vous plaisent un minimum. Voilà, bon, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Bon, bah écoutez, après, hein, les jaloux, les envieux, hein, voilà. Hein. Voilà, moi je fais ça, c'est pour me faire plaisir, pour essayer d'amuser un petit peu les gens, voilà, faire un petit peu le couillon après, voilà. Si les gens, ça leur plaît pas, ça me passe au-dessus et puis, hein, je me laisse coup aussi, comme on dit chez nous, hein. Bon allez les gars, à bientôt, ciao ciao.